Hassan. Joyeux anniversaire. Oh, oh. Joyeux anniversaire. C'est pour toi. Hey yo, give me that microphone, it's heavy deed the baritone. J'espère que tu kiffes parce que j'ai mis un peu de temps à choisir ton cadeau. T'es contente? Alors ce que je te propose aujourd'hui, on va rouler, on va kiffer ensemble pour fêter ta première année. C'est pas beau ça? Allez, je m'équipe et je te sors ma belle. No seek, no equal. I get love from all the thugs, cause I'm still my people. I'm dynamic, punks panic when they see me, they get all shook up. When my mind's hooked up, let's get it on. Let's get it on. Non. Plus d'embrayage. Hey yo, give me that microphone. It's heavy D the baritone, and I'm home alone, digging. And I'm always staying freshly dipped on 125th. When a dog's bark and a dreadlocks, biz bark and splits. Okay, 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 okay. Bon voilà, en fait le souci, Roxane a fêté ses 1 an et le jour de son anniversaire. J'embraye et paf, le câble qui part. Du coup, c'est tout mou et j'ai dû racheter un câble court donc pour BM R65 série 5. Je pense que ça devrait le faire. Alors ça, bah, c'est le bout de ton câble. Ouais. C'est ce qui a cassé. Et ça, c'est un petit domino qu'on va remettre sur le câble de suite, sur le nouveau. Ça m'avait manqué les vidéos où on répare, on bricole des bécanes. L'année dernière, le projet Café Racer vous a plu et vous avez été plus d'un million à suivre mes aventures, donc encore une fois, merci pour ça. Il se pourrait qu'un nouveau projet moto voit le jour incessamment sous peu sur ma chaîne, mais... Bon, c'est pas tout ça, on discute, mais nous, on a fini de réparer la brêle. Tout est ok, la moto est prête à partir, et ce que je vous propose, c'est d'aller chez les Fresh Monkeys pour voir ce qu'ils sont devenus un an après. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. La fin? Eh bah écoute. Roxane? Fresh Monkeys? Fresh Monkeys? Roxane. Elle a pas changé. Elle a pas changé? Toi non plus t'as pas changé. On a rasé un petit peu. Non, j'ai pris un peu de ventre. C'est vrai? T'as pris quoi? Oh. De la bière? Au moins deux ou trois gosses. Ah moi j'ai pris des cheveux moi. Voilà. Ouais, Julien Doré. Julien Doré. De même. On vient voir, je te la montre. Allez. Voici un petit peu la bête. Bah ça fait plaisir de la revoir. Bon, ça va, j'en ai pris quand même soin. Tu vois, on est parti dans le désert à Vardenas. Ouais. Il y a quelques points de rouille, tu vois, toute la visserie, oui. Etc. J'ai traité à la WD-40. Mais écoute, il n'y a pas trop de soucis particuliers. J'ai pété l'embrayage deux fois. Petit problème de feu arrière, je pense qu'il va falloir le changer. Sinon, écoute, niveau mécanique, niveau kiff, mais c'est la folie. N'importe quelle moto en face, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Vive le moteur BM, vive le flat. Tu veux retrouver la position, tu veux t'asseoir dessus? Allez, vas-y. Allez, ça va me faire plaisir. Avec mon short en plus, sur la béquille. Qu'il a dû manger. Ouais. Faut la remettre de l'huile dans la fourche, hein. J'ai l'impression d'être chez le médecin, c'est en mode bon bah je vous prescris. Un petit check-up, tac. L'amortisseur arrière, faudrait la redresser, le resserrer un petit peu aussi. Ça fait un peu moumou, mais. Ouais. Sinon, ça va. Tu vas un peu sur la piquille, tu la fais pas tomber, s'il te plaît. Ah, je sais que c'est pas ton travail. Tu vas pour qui? Je fais attention quand même. Bientôt, et là, paf. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, le feu est mort en fait. C'est-à-dire que je peux pas rentrer à Lyon ce soir? Si, tu peux rentrer, mais faut qu'on te suive quoi. Nouvel atelier. Voici le nouvel atelier alors. C'est ça. Putain, ça change, c'est beaucoup plus grand. Ah bah là on était obligé, on avait tellement de prépa en cours qu'il fallait qu'on agrandisse.
Et voilà, ça commence à payer. Ouais, ça commence. Comment ça se passe le business Là, ça marche très bien. Avant, il y avait une moto qui se courait après. Putain, là, il y en a 15, mon gars. Ouais, bah là, on est pris sur un an et demi maintenant. C'est vrai? Ouais, donc ça veut dire que les gens qui nous regardent et qui veulent se faire un prépa chez toi. Faites pas sûr. Bon, bah, ce que je te propose, c'est là un an de Roxane. Ouais. Petit roulage. Comme l'année dernière, tu te rappelles là, cette vidéo, avec je vous mets le lien de description. En tout cas, on n'est pas tout seul, on va rouler à 1, 2, 3, 4. On a quoi? On a 5. On a Roxane. Ah non, on 4. On a Hugo avec la XT350. Ouais. On a Tom avec le Monkey. Et on a Et Caro. On a Caro avec le 500CX. Donc ça va être pas mal. On a plein de choses différentes, mais je pense que ça va rendre très très bien. On a Pierre qui est derrière la caméra, donc FPV, tout le tralala. Ça va être fou. Ça part. Et moi, pour une fois, je vais faire du contenu. Je vais filmer aussi. Attention. Je roule pas, mais je filme. Allez, c'est parti. Pour les 1 an de Roxane, on voulait se refaire une petite vidéo à la cool. Et pour ça, on a appelé quelques copains avec des belles bécanes. Voici Caro, la première du groupe, avec son très beau café racer, une magnifique prépa du 500CX, un bicylindre en V face à la route. Clairement, ça ronronne pas trop mal. Lui, c'est Hugo. Il est venu avec son 350XT full d'origine, c'est la touche, on va dire, scramblouche baroudeur du groupe. Monocylindre, 4 temps, refroidi par air, je peux vous dire que certes ça chauffe, mais ça envoie du lourd. Et notre dernier, c'est Tom, avec sa petite Monkey 125 iconique de Honda, je sens qu'on va s'amuser. Allez, tous en selle, on démarre les brels, et c'est parti. La bécane, c'est quand même la meilleure drogue au monde. Quelle sensation de liberté! Rouler avec des copains, c'est toujours aussi incroyable. Tu vis chaque instant, t'es libre comme l'air, tu kiffes quoi! C'est marrant, mais avant j'étais attiré que par les motos récentes, celles qui envoient du pâté. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse même plus, hors exception. Et c'est vrai que les motos vintage ont ce petit supplément d'âme que les autres motos n'ont pas. Tu fais encore plus corps avec ta machine, ça chauffe, ça sent l'huile, et pour le peu que tu aies fait une petite prépa dessus, ça devient un objet à très forte valeur émotionnelle. Putain, c'est bon. Je crois que le mieux dans tout ça, c'est de vous partager ces moments, ces images, comme Pierre qui s'est amusé au FPV. Je peux vous avouer que ça nous donne la banane et j'espère que c'est réciproque. Il y a quel moment de ouf en vrai, j'ai trop kiffé à tourner cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ah oui, j'ai un grand vermeil avec cette merde. Un an de Roxane, je pense que c'est un des meilleurs trucs au monde, rouler une moto ancienne comme ça, un gros bicylindre, un flat twin BMW, c'est exceptionnel, la prépa je l'adore toujours autant. Et l'objectif, ça va être de rouler encore plus, de faire des road trips, etc. Là, ça m'a encore plus motivé parce que c'est vrai que en un an, j'ai fait quoi? J'ai fait un peu moins de 2000 km. Donc ça va, c'est raisonnable. Je l'ai pris quand même beaucoup de fois. Il n'y a pas trop eu de soucis. Mais ouais, c'est une petite moto robuste. Il faut quand même bien l'entretenir parce que sinon, je pense qu'elle peut te casser les couilles. En tout cas, voilà, énorme kiff. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Là, je vais partir un petit peu en vacances, histoire
soufflé, donc je sais pas s'il va y avoir une vidéo la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a des trucs assez chouettes. Il y a du surf à foil électrique qui arrive, il y a ma nouvelle voiture, il faut que je vous parle de mon nouvel appartement, il faut que je vous parle de plein de choses. Donc trop hâte d'être à la rentrée. Il y a aussi beaucoup de voyages de prévu avec des belles expériences. Il y a un beau road trip moto prévu aussi. Donc ça va être trop cool. Les amis, on se dit à très vite. Et je pense que les prochaines vidéos vont être assez stylées. Bref, à très vite. Gardez la forme. Ciao.